Salut peuple de Dieu, c'est votre humble prophétesse des nations Linda Kipaka. Je suis très contente d'être devant vous. C'est week-end de grâce, en plus c'est une journée historique parce que c'est mon anniversaire. Donc Dieu fidèle, Dieu est grand. Donc aujourd'hui je vous parle, je vais vous parler rapidement dans Matthieu 4 pour vous dire que même Jésus-Christ avait recours au Saint-Esprit parce que nous avons bien vu tout à l'heure. J'ai parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. On a vu que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se mouvait déjà dès le début de la création du monde. Donc, nous allons comprendre encore, nous continuons à parler du Saint-Esprit. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Matthieu 4, après verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Excusez-moi. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus-Christ fut emmené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par le diable menteur incapable. Cela veut dire que sans le Saint-Esprit, ce n'est pas moi qui relate, mais c'est la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, Jésus-Christ était rien. Jésus-Christ était un homme comme nous. Mais par rapport au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Jésus-Christ avait trouvé grâce chez le Saint-Esprit. Donc, on a vu que la puissance est pour gêner dans notre vie. Donc, ça demande le Saint-Esprit qui nous donne la force. Parce que pour gêner 3 jours, 4 jours, ce n'est pas facile. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas gêner ni 3 jours, ni une semaine. C'est pour cela que je vous démontre encore que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, avait la force du Saint-Esprit pour exister. Le Saint-Esprit est le moteur de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui fortifiait Jésus-Christ. Même la résurrection de Jésus-Christ, on voit aussi que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ pendant 3 jours. La Bible nous dit, dans Zacharie toujours 4, c'est un verset que j'aime beaucoup parler, honneur au Saint-Esprit, honneur au Saint-Esprit. Dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, bien-aimés, dans ces temps difficiles, je voulais vous dire que, sachez que, même physiquement que vous ne voyez pas Dieu, il y a une personne qui existe en face de toi, ma soeur, mon frère. Attachez-vous à Dieu, s'il vous plaît. Car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est pas forcément l'argent, les choses de ce monde, les choses périssables. Mais l'amour de Dieu est en vous. De dormir, c'est rêver, le lendemain, c'est une grâce. Mes bien-aimés. C'est pour cela que la Bible nous parle, si je ne me trompe pas, dans Exode 34, Dieu fait grâce à qui il veut. Donc aujourd'hui, ne vous étonnez pas quand vous voyez même un assassin est en train de vivre. Quand vous voyez une prostituée ou un drogué est en train de vivre, c'est parce que l'amour de Dieu est en nous. Le Dieu miséricorde, le Dieu d'alliance, le Dieu de promesses, alléluia. Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Matthieu 28, verset 11, la grâce de Dieu est sur nous. Quand tu marches, combien de nos ennemis qui cherchent à nous faire du mal? Combien de nos ennemis qui cherchent notre malheur, qui nous insultent, qui parlent même de paroles diffamatoires pour nous salir? Mais moi, je vous dis, gardez le silence, restez fermes, mes bien-aimés. Parce que le monde où nous sommes, c'est un monde qui est sous la puissance des Satan menteurs et capables. Ne perdez pas votre foi, même si on est en train de vous outrager, même si on est en train de se moquer de vous, même si on est en train de parler, de vous critiquer. Mais dites qu'il y a un Dieu qui vous aime. Jésus-Christ est passé par là. Il est passé dans le chemin de la souffrance, le chemin de la croix, afin que moi et toi nous soyons sauvés. Ne l'oubliez pas. Ce n'est pas que quand Jésus-Christ, quand il y a votre vie, il y a un problème dans votre vie, vous dites à tout moment que vous perdez la foi, que Dieu m'a abandonné. Non. Moi, je sais que le Dieu des promesses, le Dieu d'alliance n'abandonne jamais. La Bible est en train d'insister. Sur la Bible, nous avons plus de 3500 promesses, mes bien-aimés. Je veux que vous soyez fermes dans ces temps difficiles. La Bible nous parle dans Jean 1, verset 5 à 19, que le monde où nous sommes est sous la puissance du diable menteur incapable. Je sais que le Dieu qui a commencé avec vous, il va terminer. Le Dieu puissant. C'est pour cela que la Bible nous parle que la puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est là. Dieu est fidèle. Persévérez toujours.
Persévérez toujours, mes bien-aimés. Nous avons vu l'apôtre Paul, comment il a été humilié. Nous avons vu aussi Pierre, oh cher Saint-Esprit, comment ils ont été tabassés, comment ils ont été insultés. Et moi et toi, nous n'avons jamais vu Jésus-Christ. Vous croyez que ce monde, les gens de ce monde vont nous aimer? Vous croyez que les gens de ce monde vont nous applaudir? Vous croyez que les gens de ce monde vont dire du bien de nous? Non, on n'a pas besoin de ça. On est là pour plaire à Dieu, point barre. On n'est pas là pour plaire à ton père, ni à ta mère, ni à ta soeur, parce qu'il ne te donnera rien du tout. Seul Jésus-Christ, on est là pour le servir. On est là pour l'adorer. On est là pour l'aimer, parce qu'il est notre Dieu. Il est vivant pour l'éternité. Moi, je sais que mon rédempteur est vivant. Job avait bien compris. C'est un homme de foi. Aujourd'hui, quand je parle de Job, je me sens en force et je dis encore, oui, je vais persévérer. Oui, dans les moments difficiles, je vais me tenir debout. Je vais montrer que je suis une vaillante. Je n'ai pas peur parce que le Dieu d'alliance est avec moi. Je me lève et le sujet de Job, ça me fortifie, ça me donne de la force pour persévérer encore. Parce que Job, nous tous, nous connaissons l'histoire de Job. Job avait tout perdu, même ses enfants. Mais aucun jour, Job avait murmuré. Job avait parlé mal de son Dieu. Il savait que le Dieu de l'impossible était avec lui, oh Jesus. Il savait que le Dieu d'alliance était avec lui, oh cher Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il avait gardé la foi. La Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Job, c'était un homme heureux parce que son Dieu était avec lui. Parce que son Dieu marcha avec lui. Parce que son Dieu parla avec lui. Parce que son Dieu ne sommeille ni ne dormait. Il était toujours avec lui. Il a dit, 6 000 tombés à ton côté, mon bien-aimé, 10 000 à ta droite. Sachez que vous n'allez pas être atteinte. Regardez seulement, l'Éternel a dit, vous allez voir la rétribution de vos ennemis. Nos ennemis sont toujours là. Vous savez quoi? Moi, je vais vous dire quelque chose. On a besoin d'avoir nos ennemis en vie. Moi, j'adore les combats. J'adore d'avoir encore mes ennemis en vie. Quand mes ennemis sont malades, ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que je sais qu'à travers mes ennemis, mon onction est en train d'augmenter. À travers mes ennemis, oh Jesus, je suis en train d'atteindre ce que Dieu m'a promis. À travers mes ennemis, je suis plus fort. Je suis plus fort que celui qui est dans ce monde, le Dieu d'alliance. Le Dieu de l'onction, persévérer. Nous avons bien besoin de nos ennemis. Demandez à Dieu encore les combats. Parce que tant qu'il n'y a pas les combats dans votre vie, dites qu'on ne peut pas témoigner. Un chrétien, tout d'abord, doit voir la bouche, le langage du témoignage. On a besoin de ça. Un chrétien qui n'a pas de témoignage, ce n'est pas un vrai chrétien. Parce qu'un chrétien témoigne toujours. Nous avons vu aussi Jésus-Christ a souffert. Il est mort sur la croix. Même ses disciples, ils ont nié Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, cela n'a pas empêché Jésus-Christ de les bénir encore, de les aimer, de les accepter comme ils sont. Cela veut dire qu'aujourd'hui, quand tu commets les péchés, tu es affaibli. Le diable menteur est en train de te parler que oui, tu as commis ceci, cela. La première personne qui va chez Dieu pour dire que ta fille, ton fils a fait ceci, cela, c'est notre ennemi, Satan menteur incapable. Ne vous inquiétez pas, notre Dieu nous accepte comme nous sommes. Quel que soit ton péché, mon frère, mais sachez que, après avoir commis l'abomination, repentez-vous. Dieu n'est pas notre ami. Il peut nous pardonner aujourd'hui, mais le lendemain, il nous tournera le dos. Il nous tournera les dos comme il avait tourné à Saoul. Saoul, c'est un homme loin. Il a été établi, Saoul. Mais quand Dieu l'a rejeté, Saoul ne croyait même pas. Oh, Jesus. Il s'attachait même à Samuel. Au point que Samuel commence à intercéder pour moi. Mais c'était trop tard. Car le Dieu d'alliance avait déjà choisi une autre personne. Le fils d'Isaïe, David. Alléluia. David, c'est un enfant. Aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te choisir. Le Saint-Esprit ne regarde pas parce que cette fille-là vient de la famille, je ne sais pas, royale, de la famille du président. Non. Ou le Saint-Esprit peut aller seulement, je ne sais pas, au 16e arrondissement pour trouver quelqu'un. Non, non, non. Le Saint-Esprit n'a pas d'endroit.
Il peut aller chercher quelqu'un qui a mot fermé, quelqu'un qui est au Malouéka, quelqu'un je ne sais pas qui est où, enfin de l'utiliser comme il a utilisé David, un homme loin, un homme que Dieu était avec lui. David, il a toujours été vainqueur, alléluia. Mais des fois, quand il pleurait, je vis même dans 2 Samuel 18, David pleurait, courait. Quand on l'a annoncé que Absalom veut lui détruire, veut l'anéantir, David pleurait. La Bible parle que David pleurait. Mais il pleurait de joie. Pour moi, David faisait semblant parce qu'il savait que l'Éternel était toujours avec lui. Il savait que l'Éternel des armées était avec lui. Parce qu'il avait les promesses. Il avait les promesses de Dieu. Il y a plusieurs promesses. Nous avons plusieurs promesses. Il pleurait de joie. Moi, j'ai dit David ne pleurait pas. Parce qu'il avait la joie. Il savait que tôt ou tard, l'Éternel va combattre pour lui. Il savait qu'il va témoigner. Nous avons besoin du témoignage. C'est pour cela, moi, j'ai dit, dites à Dieu que vous avez besoin de vos ennemis. Dites à Dieu que vous avez besoin de vos ennemis. Tant qu'ils sont en train de vous combattre, vos ennemis, ça permet encore à Dieu de vous bénir. Sans nos ennemis, on n'a pas la bénédiction, mes bien-aimés. Parce que plus qu'il y a les combats, plus ça nous permet encore de nous rapprocher de Dieu. Parce qu'on a peur. Je perds cette personne, Dieu m'a montré. Comme David avait peur. Quand il a appris à travers aussi le Saint-Esprit. Parce qu'un homme qui... Dieu utilise toujours quelqu'un. Donc il avait peur. Mais on a besoin de ces ennemis-là. Parce que plus on est en train de nous attaquer, ça me permet encore de gêner. De dormir par terre sans matelas. De dormir je ne sais pas où. De gêner. De faire un gêne, le gêne à sec. Enfin que je sois encore en forme. Enfin que l'onction, le main commence à brûler par le feu. Mes pieds commencent à brûler encore par le feu du Saint-Esprit. Moi, j'adore les combats. Des fois, je me dis, oh Seigneur, je suis fatigué, fatigué, fatigué. Pourquoi? Ah, il me dit, des fois, il me dit, ma fille, tu es obligée de passer par là. Parce que moi, ton sauveur, je suis passé dans le chemin du sacrifice. Je suis mort, j'ai été humilié. Donc, ne t'inquiète pas. Ça, c'est tout simplement les débits, mais sache que tu auras toujours la victoire. C'est pour que mon nom soit glorifié. Quand le Saint-Esprit me parle ainsi, ah, des fois, je rigole. Ah, vraiment, mon Dieu, ça me fait plaisir parce qu'il m'a prévenu déjà. Il me prévient à tout moment parce que quand tu as le Saint-Esprit parle à tout moment. Il te montrera les choses à venir, les choses qui viendra, les pièges du diable. Il va te parler, il te révélera même tes ennemis, même s'ils sont en réunion. Un chrétien qui a le Saint-Esprit, c'est une personne qui connaît ses ennemis à temps et à l'heure. Quand ses ennemis déplanifient, Dieu te parle. Quand tu veux commettre le péché, le Saint-Esprit te parle à tout moment. C'est ça pour reconnaître un chrétien qui a la présence de Dieu. Quand tu veux commettre le péché, le Saint-Esprit te parle. Donc moi, j'adore. Quand Dieu me dit, Linda, fais gaffe, le lendemain, il y aura quelqu'un, attention au piège. Donc ça me fait que j'ai dit, ah, mais lui aussi, il est en train encore de m'encourager. Il est en train. Donc quand j'ai pris, je rigole. Je rigole avec joie. Ça me donne encore envie de rechercher Dieu. Même si je suis aux toilettes, j'ai pris. Même si en cours de route, j'ai pris. Même si je me lave, moi j'ai dit aux gens, éclatez-vous, harcelez Dieu. Dieu aime les gens qui l'harcèlent. Moi, je n'ai pas le temps de laisser Dieu tranquille. Pourquoi? C'est lui qui m'a envoyé sur cette terre. Pourquoi je vais lui laisser tranquille? Pourquoi je vais lui laisser respirer? Est-ce que la femme veuve, il est temps de respirer, de laisser le juge dans Ligue 18? Mais comment aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont fatigués? Ils préfèrent laisser Dieu tranquille. C'est ton père, tu acceptes de porter tes fardeaux, de souffrir. Tandis que tu as un Dieu qui est là près de toi. Pourquoi? Le moment est là, la Bible nous parle, cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, mes bien-aimés. Faites appel à lui pendant qu'il est présent. Cherchez Dieu à tout moment, s'il vous plaît. C'est comme une communication. C'est comme si tu vas, je ne sais pas, dans un ministère pour croiser le ministre de l'économie. Il y a un moment où tu peux entrer à l'audience avec lui, mais à un moment où on va te fermer la porte, elle sera close, on te dit que oui, il ne peut pas recevoir, c'est pareil aussi avec Dieu. Quand le moment se présente, dites-vous, je vais tout laisser, je vais tout abandonner, s'il faut préparer, je vais mettre à côté, je vais commencer à rechercher celui qui m'a créé, je vais commencer à louer l'Éternel des armées, je vais commencer à bénir mon roi, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah.
Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, gloire à ta grâce. Je vais commencer à parler celui qui est mon ami fidèle. Oh, l'Esprit de grâce. Il a dit qu'il ne nous appelle plus. Il ne nous appelle plus les enfants, mais les serviteurs, mais il nous appelle les amis. Oh, quelle grâce. Ce Dieu qui a parlé. On n'est plus ses serviteurs. Il a dit on est ses amis. Donc, quand on parle de l'ami, cela veut dire on peut lui parler de tout et de rien. Si tu as des projets, expose à Dieu. Si tu as commis même les péchés, pourquoi avoir honte? Mais quand tu vas chez des amis païens, à tout moment tu es en communication, tu n'as même pas le temps de prier. Mais tu préfères dire des sottises, parler de ta vie aux gens de ce monde qui ne vont rien t'apporter, qui vont même aller faire du commérage derrière ton dos. Mais parle à Dieu de conneries que tu as commis. Dieu aime quand les gens sont en train de se répentir, sont en train de confesser leurs péchés, ça les fait plaisir avant que le diable te précède. Parle à Dieu, commence à parler. Commence à raconter n'importe quoi avec Dieu. Je ne sais pas, les gens qui ont le Saint-Esprit, ils vont se reconnaître. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit te parle de tout et de rien. Il te parle de tout. Même tu déposes le simple dossier à la préfecture, il va te dire si ça va être positif ou négatif. Si c'est négatif, il a toujours une réponse. Il va te dire que pourquoi ça n'a pas marché, ma fille, je veux que ceci, cela, ne t'inquiète pas, ça va fonctionner. Même si tu déposes, je ne sais pas, même si tu attends quelque chose, même si tu attends un logement, même si le Saint-Esprit va te parler à temps et en heure. Quand il y a quelque chose qui va arriver le lendemain dans ta vie, le Saint-Esprit parle. Quand tu veux commettre les péchés, quand tu veux aller quelque part, c'est pour cela que je dis toujours aux chrétiens, on a besoin des signes. Recherchez le Saint-Esprit. Faites connaissance à l'Esprit de Dieu, s'il vous plaît. C'est une grâce. C'est une richesse. Moi, je dors dans le bonheur. Moi, je m'éclate. Les gens qui me connaissent, ils m'ont surnommé même l'ami du Saint-Esprit. Parce que j'adore cet esprit-là. Il me parle à tout moment. Quand il veut me punir, il me punit, me dit, je vais te faire ceci, cela. Attention. Donc, il est là pour te tirer les oreilles. C'est ça l'amour de Dieu envers ses enfants. C'est pour cela qu'il envoie son esprit. Parce que son esprit n'est pas n'importe quoi. Son esprit, c'est la puissance. Aujourd'hui, quand on nous parle de l'onction, l'onction, ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est une puissance qui libère. Avec l'onction, tu peux déclarer quelque chose à l'instant même. La chose disparaît. Avec l'onction, quelle que soit la maladie de la personne, automatiquement la maladie va disparaître. Tu n'es pas obligé de prier. Tu n'es pas obligé de gêner avec la personne. On va faire une semaine pour que ta maladie, le cancer disparaisse. Non, 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 non. Non, 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 non. L'onction, c'est tout de suite. C'est immédiatement dans les secondes. Là, on reconnaît que quelqu'un a l'onction. Donc, c'est à travers les signes. On doit marcher aussi avec le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Nous avons vu aussi Élisée aussi, quand Abraham envoie le père de la nation, envoyer son serviteur Élisée enfin de trouver une femme pour son fils Isaac. C'est dans Genèse 24 pour les gens qui préfèrent lire. Donc à partir du verset 1, si on descend jusqu'au verset 14, nous avons vu qu'Élisée, il a parlé à Dieu enfin que Dieu lui donne un signe. Le chrétien, nous devons marcher avec les signes que Dieu commence à nous montrer. Tu peux dire à Dieu, je veux que cette chose-ci, c'est ta volonté. Je veux que tu fasses ceci, cela. C'est très important. Parce que quand un peuple n'a pas de vision, c'est un peuple sans frein. Comment un peuple de Dieu peut marcher comme des aveugles? Ça ne peut pas fonctionner, cela. Nous devons avoir la vision dans ces temps difficiles. Quand on n'a pas la vision, la Bible nous dit, le peuple tâtonne, c'est comme une voiture qui n'a pas de freins. Vous tâtonnez de gauche à droite,
Vous allez des églises à l'église. Vous ne savez plus où il y a Dieu, où il y a le Saint-Esprit, parce que vous voulez suivre seulement le miracle. Nous vivons selon la parole, pas les miracles, pas la prophétie. Pas que les gens tombent en transe. Non, nous avons besoin de la parole de Dieu. À travers la parole, on voit les choses cachées. Vraiment, je bénis Dieu pour ce moment de grâce. Honneur au Saint-Esprit. Je sais que vous allez être touchés, le Dieu d'Alliance, le Dieu des promesses. Je suis votre prophétesse Linda. Vous pouvez me contacter au 06 21 07 84 28. Quels que soient vos problèmes, moi j'ai dit, mon Dieu agira. C'est à l'instant même. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Honneur toujours au Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, l'Esprit de liberté, l'Esprit qui sauve, l'Esprit qui nous ouvre, qui ouvre les yeux des aveugles, enfin que nous voyons de loin. Vraiment, Dieu fidèle, Dieu bon. Gloire à Dieu et honneur au Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ pour cet endroit que j'ai béni, Pactol. J'ai béni au nom de Jésus-Christ. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hôtel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwen na bwala ku talababuti, toku sala makambu, kisika ya kulala memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Pactol TV, qui se veut être la vitrine de la louange, vous propose Gospel View. Gospel View, c'est l'émission qui valorise vos vues du net. Titre du moment, les clips les plus suivis, Gospel View vous dira tout. Gospel View avec Précis Zonzolo, dans l'idée d'infuser une saine émulation chez les artistes chrétiens. Dans cette émission, nous vous donnerons les news des hits qui cartonnent partout sur les réseaux sociaux. Gospel View vous informera aussi sur les nouveautés du net. Alors soyez connectés pour découvrir ces tubes. Gospel View, c'est sur Pactol TV. La chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout
celle de la différence et de l'excellence. Waouh, c'est super! Florent Musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super! Florent Musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous car qu'on s'est pensé à mon ingamoto. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Flairon Musica, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. A tout à l'heure. Zamba lolo muti masali ke ba jalou ba sala wef 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 bazwa zero.